Mustang Motor Club. Ça a commencé par des courses de rue illégales et en moins de 5 ans, c'est devenu un gang solide et organisé. Avec une filiale dans chaque région. Les voitures volées partent vers le sud-ouest. La contrebande remonte vers le nord-est. En fait, c'est pas compliqué. Les 5-10 font du trafic avec tout ce qui tient dans une bagnole. Voilà nos cibles. L'agent spécial Bill Coburn du FBI. Nous, on sait qu'il est pourri, mais il va falloir le prouver. Et Dennis Jefferson, alias Shiv. À eux deux, ils ont transformé les 5-10. Coburn s'occupe de trouver les contacts et tient les flics à l'écart. Et Shiv s'occupe du sale boulot. Les 5-10 se tatouent leur grade. Shiv est le roi, le V8. Ta mission est d'infiltrer le 5-10 Motor Club. Gagne ton tatouage et grimpe les échelons. Trouve les preuves dont j'ai besoin pour faire tomber Coburn et Shiv. Tu dois être parrainé par le chef d'une région pour obtenir ton premier tatouage. Gagne son respect sur le circuit local et progresse dans l'organisation pour atteindre Shiv. Et bonjour à tous, c'est l'action, on se retrouve sur The Goo, et ouais c'est bon ça. Donc voilà, donc j'ai réussi à retrouver une cinématique qui résumait un peu ce qu'il fallait faire. Parce que comme vous savez du coup, les deux premiers entre guillemets épisodes n'étaient pas très bien. Le premier simplement parce que je pensais que je pouvais recommencer tous les niveaux, mais en fait je pouvais pas. On est obligé de continuer, hein, on ne peut pas, il y a pas de nouvelle partie. Et le deuxième épisode, ce qui s'est passé, c'est que en fait, tout simplement, on m'entendait pas du tout. Donc voilà, donc là du coup c'est réglé, vous connaissez du coup comment ça, tout ça se passe en fait, l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup nous allons continuer l'histoire par rapport, oh putain par contre faut que je change de bagnole, alors je suis précis, j'ai juste de, avec des bagnoles comme ça qu'on trouve, vous voyez un peu partout, on obtient 20 sur 20, c'est des pièces trouvées, j'ai réussi à tout trouver pour avoir du coup cette bagnole là. Mais le problème c'est que c'est une véritable merde cette bagnole, enfin je pense, en tous les cas j'ai pas envie de les conduire. Hein. Bon, le nitro est assez style au niveau de la gauche là, enfin des devant. Attends mais j'ai rallié en fait, elle est rapide cette pute là. Bon, je pense pas que sur le terrain ça va être fouillé à mort, mais allez une belle accélération quoi. Donc voilà, alors j'ai vite fait rouler avec, ouh c'est beau le petit paysage. Bon, il y a peut-être une route devant j'ai envie de dire. Ah c'est vrai qu'elle a une très très bonne accélération. Après, qu'est-ce qu'elle vaut sur les pistes? Je pense pas que ça vaut grand chose, sans déconner. Hein. À la limite, vitesse max, ça doit pas être plus loin de 230. Quoi qu'il arrive, ouais, je peux pas jouer, non. C'est vrai, ça va pas être très grande vitesse max. Alors, plusieurs nouveautés, parce que du coup j'ai bien avancé en off, hein, parce que je voulais un peu améliorer mes bagnoles. Donc du coup, au final, j'ai trois bagnoles. J'ai la première, c'est donc celle-là, que vous connaissez. Que d'ailleurs j'ai un peu amélioré. Ensuite, j'ai donc... celle-là, c'est une autre que j'ai acheté, que j'ai transformé en avec un préparatif Turt. Parce que tout simplement vous voyez, avec le level 10, parce que c'est par rapport au level, j'étais à New York, mince. Et j'ai été du coup préparer ma voiture en version Turt. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus solide sur les terrains un peu, qui sont pas, c'est pas des routes en fait. Par exemple dans les montagnes, au désert, tout ce qui glisse, c'est très bien ce type de voiture. Voilà, donc alors, nous on était du coup dans... mise au scénario, voilà. Tout est donc ici. Oh putain, il y en a pas mal. Oh putain, il y en a pas mal. Filtre, attendez. Allez, non, en fait. Voilà. Donc, toutes les courses qu'on doit faire pour justement avancer hein, sont justement ici. Voilà, on en a déjà une ici qu'on va prendre du coup. Voilà. Voyage rapide. Par contre, il y a un nouveau pilote en ville. C'est le type qui t'a défié à Détroit. Je me souviens. C'est le nouveau bras droit de Troy. Montre-lui que c'est toi le patron. Du coup, comme c'est un peu une voiture plus faite pour le street, celle-là, on va donc prendre celle-là. Hop là. Donc, solo. Parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de faire ça à plusieurs. Même si j'avoue, comment il y aura peut-être The Jojo qui viendra avec nous hein, dans une. Dans une de mission. Ou peut-être des défis personnels. Hein. Par exemple, faire toute l'Amérique en. Voilà, en voiture. T'as pas l'instinct de tueur qui fait la différence entre un 5-10 et un tocard. Allez, viens. Je vais te foutre une branlée. C'est parti. Putain, mais le mec, il veut vraiment mourir. Hein. Alors, je précise, je suis pas trop chaud, hein, donc... je laisse de faire un ou deux petits mauvais dérapages, ou un truc comme ça. Je veux que tu humilies ce petit enfoiré, t'entends? C'est l'idée, Arch. Maintenant,
Maintenant, laisse-moi faire mon boulot. Ta gueule et laisse-moi travailler, ok, bitch. En gros, c'est le résumé. Par contre. J'ai remarqué qu'on m'entendait pas non plus trop. Et c'était à cause du bruit du moteur. Donc, pour régler ça, j'ai mis donc des effets. Beaucoup. Interface, ça va. Et musique. Ouais, y a pas trop de musique au pire, mais voilà. Surtout ça. Ah, donc maintenant, on devrait beaucoup mieux m'entendre. Voilà. Alors. Bon, on a un léger retard de quelques petites secondes, mais ce n'est rien du tout. Parce que moi, dans les virages, c'est l'effet à biatch. Allez, un petit peu de nitro pour que ça aille plus vite. Par contre, c'est un terrain que je ne connais pas du tout. Donc, ceci peut arriver. Tout simplement. Hop là. Ok, on est troisième. Bon, ça va le faire, hein, tranquillement. On a mis un point de virage bien serré pour gagner du temps. Puis mieux on a mis un peu à la bagnole, là c'est partout seul donc. En plus c'est payé, c'est pas du tout payant donc au pire. Ah oui en fait j'ai rejoint une faction. Parce que oui il y a un mode de faction entre guillemets là dedans, vous savez entre les plusieurs états entre guillemets, hein, c'est un simple le truc. Et moi j'ai choisi ceux qui sont aux à New York, c'est-à-dire les lions je crois. L'aigle, un truc comme ça. J'ai choisi Lyon moi. De toute façon, je vous montrerai ça plus tard parce que du coup, il y a des missions grâce à ça. Et on peut aussi avoir un revenu, ce qui est assez bien. Déjà, on a un premier revenu pour s'acheter une nouvelle bagnole, avoir des bons trucs. Que d'ailleurs, je l'ai, c'est vachement putain de con. C'est vachement énorme ce qu'on a du coup, mais oh le con. Ce type est passé en mode furie, t'as vu? Il est dingue. Urge, c'est moi qui conduis, tu peux la fermer? Ouais, je sais. C'est hard de pas se laisser emporter. Ah, j'aime plutôt bien ce tick, ça change de Troy quand même. Oh le con, ouais, bah attendez, vous savez quoi, hein, on va recommencer. Je fais quelques petites erreurs du coup, donc on recommence, c'est pas grave. Ça va juste allonger la vidéo de quelques minutes, une ou deux, hein. 2 minutes je crois d'ailleurs. Parce qu'il y a les timers, c'est à côté. C'est pas très grave, surtout qu'en plus on discute toujours, donc c'est pas non plus très ennuyant. Oh, c'est un peu le but, hein. Maintenant laisse-moi faire mon boulot. Hier, je suis le mec le plus cool au monde. Hop là, donc on a déjà plus d'accélération que ces deux petits cons qui sont derrière nous. Maintenant, je vais leur montrer. Hop là. Hop, un niqué en plus. Ouais, 0,00. Merde. Bon, je pense toujours que c'est des barrières qui sont cassables, ça. Vous savez, comme dans la première course, dans le deuxième épisode pour vous, du coup. C'est une petite barrière qui se casse, on peut passer à travers un petit raccourci, quoi. C'est plutôt sympa. Et parfois, je confonds avec celle-là qu'on peut pas casser. Alors là, par contre, c'est un truc qui est très con. Bon, ça va, je peux encore rattraper. Mais les petits décors comme ça, les petits centimètres qui fait bien chier, ça arrive très souvent. Hop là. Donc, on a un petit peu de retard, on a 200 mètres, bon, ça va. C'est posé, on a encore large le temps. Voilà, posé. Un petit coup de nitro, on va le griller du coup avec le nitro. Voilà, nous sommes premiers. On va s'éclairer un peu sur la droite pour pas avoir les objets, pour pas être ralenti comme un enculé. Voilà, on passe par la voiture, posé. Alors, ok, un petit virage à gauche, un petit bon virage à gauche, un petit virage à droite, encore à gauche, ah là là, et slalom de ouf, sans déconner. Ah, tranquille, on prend pas trop de risques, hein, sur, quand il n'y a pas trop besoin, c'est bon. Alors, sans... ouais, d'ailleurs ma voiture quand même va atteindre facilement les 200 km/h, ce qui est plutôt sympa. Hein. Moyenne dans les virages, même à la fin du virage, c'est 100 km/h, donc ça c'est largement suffisant. Hop là. Alors ce qui fait de différence aussi, une grande différence avec celle-là de Dirt en fait, c'est le niveau de maintien de la voiture. Elle dérape beaucoup moins facilement en fait.
ça qui est bien. Contrairement aux streets en allez, fait. Donne tout ce que t'as. Voilà. Et ce qui peut. Ce qui par contre elle a une moins bonne vitesse et une accélération quoi. C'est vraiment pour les gros terrains bien durs à pratiquer dans une voiture comme ça. Ah c'est l'arrivée? Ouais bah c'est tranquille en fait. C'est posé. Alors, est-ce que j'ai en or? Parce que du coup on peut savoir les trucs un peu améliorés. Alors. Mission accomplie, bah ouais comme d'hab. Et argent. Bon ça me suffit moi, du moment que j'ai argent. L'or après c'est légèrement mieux mais pas grande différence. Bonus adhérence, très bien. Équipé, c'est très bien. À couteau tiré. Ok, ça c'est fait. Allez, prochaine course. Petite cinématique. Tout décapossé, c'est pas mieux. Tu connais le credo des 5-10, amigo. Dégage de cette ville et estime-toi heureux que je te laisse ta bagnole. En plus, c'est une Ford GT. Il a donc exactement la même voiture, la même marque de voiture que notre Dirt en fait. Voilà. Prochaine course, scénario. Et on a donc une là. C'est parti. Jouer directement, comme on a la bonne voiture déjà. Alex, fais tes valises. Tu pars à Vegas. Tu m'offres des vacances? Rêve pas trop. J'ai besoin que tu rendes service à un de mes contacts. Je suis pas ton larbin, ça. Ça va, je le sais. C'est un. Disons, un expert en logistique. Putain, plus 11 ans. Il amène n'importe quoi, n'importe où. Faut que je le prenne. Je veux qu'il rejoigne Nicky. Il a un nom. Omar. On a besoin de ce gars. Tu le trouveras à Vegas. Ah ouais, plus 11 si on fait ça en or. Putain, c'est bon ça. Mais c'est quoi en fait l'émission du coup? Faire quoi? Ah d'accord, on est vraiment parti à Vegas en avion. Ah putain. Heureusement qu'on peut revenir en voyage rapide. Zoé? J'aurais pas dit ça comme ça. Tu dois être Omar. Si Zoé t'envoie, c'est que t'es bon, voilà. J'ai besoin que tu gagnes une course pour moi. J'ai misé une grosse somme sur toi. Tu crois que tu peux le faire? Pas besoin de réponse, mec, tu la connais déjà. Biatch. On a un putain de monster truck. On va voir si Zoé a flairé un champion. Ok. Tous bien alignés. C'est Zoé parti. A dit que ce serait facile pour toi. La fais pas mentir. T'inquiète. On se décale juste légèrement du groupe pour qu'on puisse tranquillement les doubler. Bon, si on a assez d'accélération pour les doubler, ce qui n'est pas le cas, ce que je veux. Le nitro est obligatoire. Donc, ok. Les gars sont chauds. Ok, c'est pas grave. Gâteau ma gueule. Putain mais c'est quoi? Oh non ce dérapage. Oh non ce dérapage de... qui ne sort mais de nulle part sans déconner. Du coup on est parti 8ème. Bon, je pense qu'on a le temps de quand même de terminer. Et finir premier évidemment. Terminer encore c'est simple. Voilà, donc on fait des virages bien serrés, c'est ce qui marche bien. Le nitro, faut pas l'oublier dans les lignes droites. Même si parfois c'est pas les lignes droites. Dernière ligne droite. Ah d'accord, c'est sympa toi. Et oui, ça va le faire, vous voyez, j'avais raison. Hop là, ça c'est fait, une note de gagner. Du coup, non, on va oublier pour essayer de l'avoir en or. Déjà, ce serait... Oh, c'est bien, si on l'a en argent, au final. Ah, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais besoin d'un type comme toi dans mon... Ok, j'en suis. La belle Zoé m'a chargé de monter quelques opérations à New York. Qu'est-ce qu'il y a à New York?
Tu le sauras bientôt. Au revoir, Alex. Ah, allez. Ils sont accomplis, d'accord. Avec... Je suis encore dans la bagnole de temps. Okay. Bronze. Ah merde, j'aurais peut-être voulu en avoir un peu plus quand même. Bon, écoutez, on va se contenter de ça. C'est pas grave, au pire. C'est déjà pas mal. Ok. Continuez. Prochaine mission. Ah oui, j'ai pas mis de timer, c'est vrai, ça aurait été pas mal pour voir à peu près où on en est au niveau des vidéos. Ça peut être pas mal. On va dire, ça fait quoi, les 10 minutes vers là. Alors, mission scénario. Ok, donc. Ça c'est. Allez. Ouais, je rapide, c'est quel terrain là-bas? Et sur quel terrain? Ah non, ça va, ça. J'ai une course pour toi. Du sud de Chicago au nord de Saint-Louis. Un mec de Troy et des types du coin. J'y vais. Ah, c'est pour les bottes de vitesse, c'est parfait, parce que j'en ai pas une bonne. Comme vous voyez d'ailleurs, ça est plus hein, pour l'amélioration. Ce qu'on veut, c'est dominer la scène racine dans tout le Midwest. Efface ces types pour Chicago. Ah, c'est rapide, t'inquiète, t'inquiète. Rapide, clair, net et précis comme un bête. Yeah. Pulvérise-moi cet ocar. Bon, ils ont une bonne accélération cet ocar, mec. J'en déconne. Bon, ils prennent très mal les virages, c'est ce que je vois. Donc c'est... Oh putain, merde, j'ai pas pris la bonne véhicule. Je pensais que ça aurait été une route normale, non. Ah merde. Oh putain, ok. On va pas se faire chier, hein. Ça. Virage mobile. On va prendre celle-là. Voilà. Là, on va se les faire, ces enfoirés. Bon, vous avez déjà vu, donc c'est bon. On peut directement passer cette scène-là. Pulvérise-moi cet ocar. C'est parti, gagne la course. Ok. Et pourquoi j'ai encore ma bagnole? Oh putain, mais je l'avais changé. Oh, ok, d'accord. Oh putain. Ça, les voitures d'hier ne sont pas autorisées. Elle veut faire foutre. Enfin, ces dérapages, on les connaît du ouf. Pas se faire chier, hein, d'accord. J'ai rien dit, on aurait dû se faire chier en fait. Maintenant c'est trop tard, c'est le seul moyen. Non mais pas. I am the boss, bitch. Pas encore attrapé, combien de mètres, attends. D'accord. 350 mètres, ouais, ça va être short, je vous l'avoue, mais on peut peut-être le faire. 10 secondes, ouais, c'est rien. Ah, bah là en plus, c'est mon terrain là. Ça va être posé. Et qu'est-ce qu'il fout là ce bâtiment, putain? Vous voyez, il n'y a plus que 8 secondes. Hop là, allez, on va se dépêcher un peu. Faut que j'arrête de prendre des raccourcis, moi, c'est un truc de fou. 400 mètres, bon, bah là, les... là, c'est foutu là. Je connais pas encore la distance de la course. Au pire, je vais continuer comme ça, je connais très bien le terrain de la course. Comme ça, la prochaine fois, je ferai pas les mêmes erreurs. Parce qu'elle a l'air quand même plus corsée celle-là. Un peu plus. Ok, j'ai bien rattrapé 200 mètres, un peu nitro. Dernière, oh putain, va te faire. Ah, voilà. Vous savez quoi, hein, c'est quasiment la dernière fois.
On peut recommencer, c'est bon. Donc, ouais, niveau du terrain, ça va être un peu short, mais bon, je devrais m'en sortir. Pulvérise-moi cet encart. Ok, donc, c'est parti pour le virage tiré, ma gueule. Un de niqué, deux de niqué. De niquer avec un peu de nitro pour ok, j'ai ravi. Bien, continue. C'est un peu short, je vous l'avoue. Un peu compliqué à bien rester sur la route. C'est quand même quelque chose d'extrêmement précis pour ne pas être trop tendre sur le truc. On va essayer de passer par là. Ça marche. Ouais, c'est nickel. Ok, une seconde de décalage, ce qui est plutôt très bien. Bon, virage un peu short, mais bon. Un peu de nitro maintenant qu'on est sur une route lisse. Pour repartir parce que niveau de kilométreur on est du beaucoup trop freiné du coup, alors niveau de la distance. Aïe, oh putain. km/h, on a passé la barre des nerfs 200 km/h, on a un peu de nitro en réserve, donc ça devrait le faire. Même si, putain, il est bien derrière nous, cet enculé. Même un peu trop, d'ailleurs. Oh l'enculé. Oh non, il va pas oser, il l'a fait. Allez, ressaisis-toi, mon vieux. Oh mon dieu. Oh l'enculé. C'est sur la fin, en fait, parce que... Il a plein d'accélération, c'est quoi, cette bagnole? Alors, à recommencer, ça devrait être la dernière fois. Ça va être la dernière fois, je vous le dis. Sinon, je ferai une mini coupure le temps de refaire la course. De toute façon, vous avez déjà vu le terrain, vous avez déjà vu un peu comment c'est. Donc, du coup, pas besoin de trop laisser mariner entre guillemets. Hop, tu dégages, maintenant ça m'a dégagé. Au travail, mon ami. Ok, c'est parfait. On va essayer de repasser par là. Et cette fois ça a marché, putain, quand on connaît le terrain, c'est plus rapide. Hein. Bon, il est toujours derrière moi. Si ce n'est devant moi. Allez, ressaisis-toi, mon vieux, tu représentes Chicago là. Eh, c'est bon. La prochaine fois, je représenterai ton cul, tu vois. Bien, continue. Ok. Donc. Putain de bon dérapage là. Ok, non, toi, je m'en bats les couilles. Ok. Hey, on est censé montrer qu'on est les plus forts là, fonce! Va te faire foutre, fils de catin. Ok, je suis derrière lui, donc normalement je dois passer devant lui. Si je me gère bien, c'est ton clé de virage. Ok, c'est good. Ça passe bien. Ça. Nickel. T'inquiète. J'ai rien dit en fait. Oh putain, c'était un pont. Oh merde. Le con. Un dernier effort. Oh bah laisse tomber. Bon, mini coupure, ok, à tout de suite. Oui, c'est la fin. Je vais réussir. Et non. Du bois pas enculé, c'est bon là.
bon ça. Allez. Yeah, donc j'ai réussi à terminer. Bon, c'est un peu chiant sur la fin parce qu'il a une très très bonne accélération de l'adversaire. Nous passons au niveau 12, donc ce qui est très bien au final. Hein. Bon. Pas la peine qu'on réessaye pour faire or, je pense que c'est déjà foutu. Hein. Boîte à vitesse, nickel. Boîte de vitesse. On continue. C'est parfait. Donc on va se faire une autre mission. Peut-être encore deux autres, on a peut-être le temps pour deux autres quand même. Continue comme ça et t'auras ton tatouage. C'est cool ça ma gueule. Allez. Hop là. Donc. Allez, prochaine mission. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, une mission là-bas, mais bon, je pense qu'on va un peu oublier pour l'instant. Hein. Préparateur Raiden, non, c'est pas vraiment une mission, c'est autre chose. Donc voilà, il nous reste encore deux missions, et après nous passons au suivant. Ah d'accord, shit. Ah shit, d'accord. Ok. Bon, écoutez, nous ne pouvons pas faire tout mon voyage rapide là-bas pour justement y jouer. Non, nous allons faire ça, comment dire, très rapidement. J'aimerais que t'ailles à Black Hills. J'ai fait tuner une caisse que je voudrais que t'essaies. Donne-moi ton avis. Ok, pas de problème, j'y suis dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Toutes les unités dans le secteur, attention. Hop là, solo. Un phare a été repéré. Trouvez-le. C'est parti. On attend que ce soit la nuit, je présume, ou jour, je sais pas. Parce que quand c'est comme ça, c'est qu'on attend qu'il y a... Ouh, j'aime bien cette caisse. Ça, on va aller dans les montagnes, je vous le dis, on va aller dans les montagnes. T'y es ou quoi? J'y suis, qu'est-ce que je dois faire au juste? Je compte utiliser cette caisse pour la contrebande, et je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre. Pousse-la à fond. Ah bah ça mon petit, c'est rapide, t'inquiète pas. On a établi un temps sur ce parcours. Je veux juste savoir si cette nouvelle caisse tient la route, alors pousse-la. Ok, pas de problème petit. Oh putain, je sens mal. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Pas de nitro, pas trop non plus. Parce que là pour le coup, je savais que ça allait être short. Ok. Pas de nitro pour attraper ça du coup. Aïe aïe aïe, ou plus tard. C'est nickel. Tout se passe bien. Sauf ça. D'accord. Ok. Oh, je dois passer sur ce minuscule pont là. Sous ma gueule là. Bon, je pense que c'est bon pour commencer, hein, nous sommes d'accord. Mais je vais quand même continuer. Et sous ma gueule, il faut vraiment que je passe sur ce pont, mais c'est minuscule. Oh, sans déconner. Bon, du coup, je vais être mort. Enfin, mort. J'aurai plus de time quoi. Les sables du temps, c'est cool, mon ami. Bon, là c'est foutu. Ok, là nous sommes d'accord, là c'est foutu. Allez, on va recommencer, on va pas faire la même connerie évidemment. Recommencer. Vous savez quoi, j'en bats les coups du temps, on va faire cette deux putains de missions, il devrait y avoir une cinématique normalement, et après, ça sera la fin de cette vidéo. On bat les coups du time, putain. T'y es ou quoi? J'y suis, qu'est-ce que je dois faire au juste? Je compte utiliser cette caisse pour la contrebande, et je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre. Pousse-la à fond. Ok, c'est parti ma gueule. On a établi un temps sur ce parcours, je veux juste savoir si cette nouvelle caisse tient la route, alors pousse-la. C'est bon. T'inquiète petit, t'inquiète. Jusque là tout est posé. J'ai bien dit jusque là. Recommencer. Je préfère autant recommencer pour vraiment au pire avoir argent ou or au lieu de bronze. C'est pas pour ça sans déconner. On a établi un temps sur ce parcours. Je veux juste savoir si cette nouvelle caisse tient la route. Alors pousse-la. Ok. On va faire gaffe.
Ok, donc là on s'est pas encore rushé quasiment. Nickel, tout se passe bien. Là c'est le fameux pont. On sait pas avoir. Puis est-ce que je peux passer dans l'eau sans déconner là? D'accord, alors l'autre côté, il y a 10 minutes, je me suis fait avoir, je pouvais pas passer par l'eau. Et là on peut passer par l'eau. Fuck you, putain de jeu là. Sans déconner. 330 de dégâts. Ah oui quand même. Ah, un bon putain de débel. Ouais je suis à 150 et quelques là. Plus qu'une ligne droite et 20 secondes. Ah ça va, c'est posé. Je vais l'avoir mon or, tu vas voir, je vais l'avoir. Bon, là j'ai eu trop peu de kilomètres, voilà, faut que je rajoute quoi. Accélère un peu. Hop là. Ouais, donc j'aurais pu gagner au moins 2 secondes, je pense que j'aurais pu au moins finir à 10, mais bon, c'est pas grave, ça s'est mal passé. Normalement on devrait avoir un bon score quand même. Hein. Alors, c'est argent. Ouais, ça me suffit, argent. Bon, je dis, moi, c'est bon. En plus, ouais, allez, équipé, c'est tout bon. Ok, on continue. Ok, alors cette pièce est parfaite. Tout ce que je voulais entendre, mon préparateur passera la prendre. À part du marché, j'ai trouvé un moyen d'obtenir ce qu'on veut tous les deux. Rejoins-moi à l'endroit indiqué sur la carte. Alors si c'est déjà fait du coup. Alors. Ah si si. Ok. On fait ça avant. Moins 8. Moins 8. Ah vous faire foutre, c'est un truc de merde ça. Hop, jouez. Solo, c'est parti. J'ai un plan pour décrocher mon V4 à coup sûr. Si ça marche, t'auras ton tatouage. Je t'écoute. Je sais où trouver une vraie beauté exotique en provenance directe d'Europe. Tu la voles, on l'offre à un boss des 5-10 et c'est plié. Dis-moi où aller. Allez, mangue-toi. Tu dois piquer l'identité d'un pilote d'essai qui se trouve à l'aéroport. Je la sens mal cette émission, je vous le dis. Herschel, le pilote d'essai m'a vu et ça a dégénéré. Qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle. D'accord. Force le pilote à s'arrêter. On est sur un aéroport. Posé alors. Ok. Juste. Alex, tu ne donnes pas de nouvelles. Est-ce que ça va? J'ai volé une voiture de course pour aider Hirsch à passer des cartes. Et gagner mon tatouage. T'es infiltré dans un gang, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Relax. Cette voiture a été volée sur commande en Europe. Donc techniquement, on récupère un bien volé. Ok. Si on peut la restituer plus tard, ça va. Mais la prochaine fois, je préférerais qu'on en parle avant. Oh putain, il fait chier ce mec. Il vient dans tous les sens. Ah bah là c'est bon, là je vais l'avoir là. Allez, toi tu vas crever. Oh putain. What the fuck? Merde, il est en train de t'échapper. Ouais, ouais, je suis d'accord, il est en train de m'échapper là. Et oui, je suis d'accord, ça va être short. Ça va être très très short pour le reprendre. J'essaie de reprendre un. Si. Ok, d'accord, n'importe quoi. Je te conseille de te manier, mon pote. C'est bon, posez, je recommencerai la mission plus tard. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, vous savez quoi, on va recommencer, parce que c'est un véritable temps de merde, d'accord? Et que c'est n'importe quoi. Il n'y a pas plus simple à dire. Ok, on... Force le pilote à s'arrêter. Ok, ok. Un petit coup de salaction. Ok, nous approchons les 200 km/h. Ok. Alex, tu ne donnes pas de nouvelles. Est-ce que ça va? J'ai volé une voiture de course pour aider Hirsch à passer des caps. Et gagner mon tatouage. T'es infiltré dans un gang, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Relax, cette voiture a été volée sur commande en Europe. Donc
techniquement, on récupère un bien volé. Okay. Allez, si ça c'est fait. Tard, ça voilà comment je fais moi. Allez, allez, accélère, voiture. Allez, allez, accélère. Allez, un tout petit coup de teint. Un tout petit coup de teint. Allez, allez, allez. Putain, il accélère tout d'un coup là, ce con. Voilà, ça c'est fait. Voilà. J'ai fait un bon temps, je suis satisfait, c'est nickel. T'as fait ce que je t'ai dit ? Ouais. Va au circuit et prends sa place pour la session d'essai. Et maintenant ? Ne fais pas remarquer. Roule comme si tu faisais un tour d'essai normalement. Et prends la première sortie que tu vois. Oh putain, j'ai ça. Ne ralentis pas ou ils vont te rappeler au stand et tout va foirer. C'est bon, relax ma gueule, relax. Putain, 300 km/h. Putain que c'est bon ça. 320. 340. 360. Putain, ça va de plus en plus vite. Bon, là ça ralentit, mais bon. À cause du virage. Ouais, 360, c'est reparti. Ouais, ouais, c'est vraiment les vitesses max 360 sur cette bagnole. Parce qu'on est carrément sur une Ferrari, enfin une voiture de sport en tout cas, très très grande vitesse. Pas besoin d'utiliser le frein, là on est juste à tourner un peu de temps en temps. C'est, on va être vraiment très vite et c'est vraiment très agréable sans déconner de faire ça. Avec une vitesse pareille et en plus on glisse pas quoi, ça qui est bon. Oui. T'as trouvé la sortie ? Je crois qu'il y en a une bientôt. Prie pour que ça marche. What the fuck ? Comment tout ça a prié ? Je commence à avoir peur là. Pour ce que je dois faire. Je crois que Troy est au courant de toi. Quoi ? Ouais, j'ai des gars à lui qui me collent au cul. Ah bah là c'est rapide, je vous le dis. C'est pas la même bagnole qu'on a là. Oh non, plus dans la ville. Oh putain, sortez dans le circuit, sortez dans le circuit. Arrache-toi de là, je veux cette bagnole. C'est bon, relax man. Relax, my girl, relax, ok? Je vais essayer de jouer un peu sur la vitesse. Bon, elle a pris un petit pet, mais bon, c'est pas grave, ça se répare, écoute. Hein. Ça se répare. Bitch, please. Ok, on va prendre le barrage. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Normalement, il y a toujours. Voilà, parfait. Un petit quoi, on peut prendre le barrage tranquillement. Après, je me colle bien au cul, ces enculés. C'est clair. Ok, ça c'est bon pour l'hélico. J'ai rien dit. Attends, mais y'a pas d'endroit où on pourrait essayer de les avoir sans déconner.
Oh putain. Short. T'es short, t'es short. Ok, on va l'avoir sur la vitesse. C'est bon, on va l'avoir, on va l'avoir. Shit. J'essaie de décaler un peu pour plus qu'il me voie. Mais logiquement, il devrait plus tout me voir là par contre. Hein. Mais plus du tout. Ah d'accord, ok, donc les voitures comme ça, c'est à retenir, hein. Elles sont complètement mais archi lentes. Oui, mais moi je vais revenir sur la route là, s'il te plaît, non, ce n'est pas possible. Merci enculé. Voilà, nos cachons archi lentes sur la route, c'est en tout cas à retenir. Parce que du coup, on a fait une belle gaffe quand même. Enfin, j'ai fait une belle gaffe. Faudrait aller sur une putain d'autoroute. Attendez, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas ouvrir la carte, d'accord. Je vais aller sur une putain d'autoroute, moi. Sur l'autoroute, il n'y a aucun problème. Après, là, c'est posé. Mais pourquoi tu tournes pas? Ça tourne pas. Ah, si, ça tourne, mais c'est autre chose, quoi. Non, mais... Ah oui, c'est vraiment, mais vraiment fait pour aller sur la route, hein. Mais un truc de fou, quoi. Ok, à retenir, si vous vous mettez dans ce jeu là, n'allez jamais sur la route, enfin sur un autre coup sur la route avec. Jamais. C'est horrible. Allez. C'est bon, on empêche qu'on arrive quand même à bien gérer. Je crois que nous avons une véritable route enfin devant. C'est bon ça. Ok, là c'est parti. Pff, accélération de ouf. Nitro de ouf. Là c'est posé. Ok, il y a deux gars qui nous attendent juste devant. Ils vont voir une flèche qui vont passer, ils vont la comprendre. Bonjour, au revoir. Merde. Putain, mais je déteste les hélicos, c'est officiel. En fait, sans déconner, il n'y aurait pas eu d'hélico, je serais sommé depuis très très longtemps. Je n'ai pas imaginé à quel point. C'est bon ça. Là c'est bon, là c'est bon, on les a posés. Finish ma gueule, yeah. Premier coup, tu peux pas test. Bon par contre bronze évidemment. Ça aurait été étonnant que j'aurais eu plus. Là le temps que j'ai pris, en plus je passais par des chemins complètement ce qu'il fallait pas quoi. Mais c'est pas grave, écoutez. Ça a fait de l'XP, ce qui est bon. Donc, petite cinématique. On va me suivre encore. Mais je vais défoncer ces enculés. Ah non, c'est bon. Waouh. Ça, c'est de la bagnole, hein. J'ai déjà conduit mieux. Mais pas souvent. Un V6 passera plus tard pour récupérer notre cadeau. Si tout se passe bien, je serai nommé V4 au niveau reste. Toi, mon ami, tu as gagné ton tatouage du Five. Bon ça. T'as réussi mec. Je suis le V4 du Midwest. Ce qui veut dire que t'es un vrai 5-10 maintenant. T'as gagné ton tatouage. Choisis bien où tu vas le mettre. C'est tout. Je suis prêt. Bienvenue au club. Maintenant que t'es membre officiel, j'imagine que tu vas vouloir grimper les échelons. Dis-moi de quoi t'as besoin. Un mec qui s'appelle Eric Tsu est le boss de la côte Est. Il bosse pour Shiv, mais il déconne sévère. Les 5-10 perdent un max de blé et j'ai promis d'envoyer quelqu'un. Occupe-toi de ça. Ça roule. C'est bon ça, j'ai le tatouage ma gueule. Voilà donc là ça fait largement plus de 50 minutes je pense que la vidéo est faite. Donc on va s'arrêter là je pense, hein. Écoutez, là, c'est pas ici.
Non, je vais la faire juste pour dire que c'est fait ici. Alors, où est-ce qu'elle est la prochaine mission? Là-bas. Ouais. Ouais, donc voilà. On se retrouve souvent dans une autre vidéo de Fitzubis normalement, parce que du coup j'ai bien martelé dessus. Comme quelque chose que vous aimez bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur un moindre petit défaut, dites-le moi sans déconner. C'est vraiment pour ma couche pour que je puisse m'améliorer. Hein. C'est le but. C'est clair. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire. Sur The Crew, si vous avez des petits conseils à droite à gauche ou si vous jouez vous-même à The Crew, hein, marquez dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de partager, c'est le plus important. Allez, à plus.